La vague de Hokusai est parfois présentée comme un tsunami ou une vague scélérate. Une vague monstrueuse et fantomatique, au squelette blanchâtre, menaçant les pêcheurs de ses griffes d'écume. La vague est comme la mort fantôme, perchée au-dessus des marins condamnés. Elle dresse ses bras, ses plis et ses replis, comme le fait avec ses tentacules la pieuvre. Les éclats de l'écume deviennent des becs, des serres d'oiseaux de proie, des mains aux doigts crochus, des crocs, des mandibules d'insectes, des mandibules acérées.